La paix bon Dieu avec moi. Amen. La paix bon Dieu avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Christ vivant. Christ vivant. Christ vivant. Christ vivant. Amen. 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 Maranatha. Christ vient. Gloire à Dieu. Encore une fois, nous saluons tout le monde dans Jésus. Nous avons tout le monde général. Et nous espérons que. Après, nous sommes bénis dans ce moment-là. Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Nous sommes bénis, amen. Bien. Pendant que nous avons célébré les 38 ans, nous l'église ça. Même fait que je commémore mes 38 ans de ministère pastoral. Vous voyez comment ça? Le pasteur à Lyon a 26-27 ans. Donc là, il a 65 ans. C'est une belle âge, hein? Oui. Sur le tapis de la veille, je vous dis comme ça. Je vais faire allusion à Chrétien d'Haïti, qui toujours. Avec par la foi, et que leur sortie dans leur service, leur prier pour Côte Cabanio, sur Blaïa, mais sur l'île Captain. Pour la part mieux, il a fait allusion aussi à Haïtiens qui vont me frapper par ce, je veux dire, déluge, que 800 morts mourir. Avant de faire cette parenthèse, nous disons ça. Très bien. Je vais parler dans la prochaine dit. Les temps sont apocalyptiques. Eschatologiques. En théologie, l'eschatologie, c'est la science qui étudie les temps derniers. On a le droit? Nous vivons les derniers. Même j'ai lu ou même les sept adressés aux sept églises de l'Asie mineure. Jésus a adressé à son église d'abord. On a remarqué. On dit Jésus a adressé à l'église d'abord. Les trois premiers chapitres. À partir du quatrième chapitre de l'Apocalypse. Jean dit, votre ta parole là, dit, monte. Et après tout théologien, monte ça. Qui vous dit Jean, chanté à terre, qu'il y a des montées dans le ciel, il voit les choses à partir du ciel. On a compris? Cette expression monte veut dire, les Jésus finit par l'église dit, tout le reste qui va passer sur la colère de Dieu. Et puis enlever l'église. Voilà, le dit Jean, monte, mon service, c'est l'église de qui? Monte. Maintenant, tout est resté bagage que Jésus va déclarer dans 19 autres chapitres. Je sais des prophéties, c'est pas un grave qui va arriver sur la terre. C'est une prière qui va arriver. Vous l'avez vraiment? Pas qu'un jeûne qui a fait pas qu'un message qui a fait pas arriver. Qui n'est pas qu'un bon Dieu montrer les mots de ça qui parle passé, il n'est pas éloigné qu'à changer ça. Vous l'avez vraiment? Or, dans Matthieu 24, qui dit comme ça, au sortir du temps, les disciples vint en particulier. Et bien, fait Jésus la splendeur du temps. Pour ça, il a fait Jésus la splendeur du temps de Jérusalem. Parce que Jésus a habité à Jérusalem. Jésus, c'est l'homme de Galilée. Comme c'est ministère en Galilée, il termine en Galilée. Cependant, il est monté à Jérusalem. Dans quelques occasions,
Ça fait, l'homme pour chef arrêté Jésus, ils ont obligé de payer une forte somme d'argent. Parce qu'on a qui est ça que Jésus. On a remis. Maintenant, la spada du temple était tellement extraordinaire que les juifs s'en enorgueillissaient. Mais ils ont fait chier les bêtes pour ça. Même si les monocas ont fait chier les bêtes pour la même bientôt. Je veux faire chier les bêtes pour ça. Comme Jésus par habitude, comme Jésus, où m'entends-tu bien? Où est-ce que tu vas là? Il dit, monsieur, je veux t'en vérité, je vous le dis. Il ne restera ici pas. Pierre sur Pierre, qui sera vraiment ici. La disciple en particulier lui faire cette question. Une question à triple volet. Mon seul question est toi, Adam. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Que Pierre suivra, pardon, mais ça va. Et quel soit le signe de ton avènement de la fin du monde, toi. Tout chrétien authentique, tout chrétien honnête, tout chrétien conscient, ils ont le chita kounye là, sous une prophétie Jésus baille. Matthieu 24 est une prophétie accomplie aux deux tiers, en seul tiers, oui, Dieu. La question de Jésus, dis-nous qui laisse avoir le fait. La décision de Jérusalem. Qu'est-ce que le signe d'un avènement qui va venir? Et c'est la fin du monde. Qui t'a dit, monsieur, persévérer, était dans la prière, pas vrai? À persévérer, était dans la prière, pour se dévoiler, comment ça dit, non? Les chiffres t'ont dit, mes signaux. Parce que, l'aide-nous, mon l'a dit, maintenant, faire un bas, on a bon Dieu qui est un bas. Jésus va signer, monsieur. Il ne va pas ni jour, ni moi, ni année, ni date, mais il va signer pour son besoin. Première question, dis-nous quand cela arrive-t-il, la destruction de Jérusalem, Christ a parlé en 33. En l'an 33. Il est âgé de 33 ans. 37 ans après. 37 et en 70, en 70, Titus, commandant de l'armée romaine, envahit Jérusalem. Dans l'envahie de Jérusalem, il voit la splendeur du temple. Titus, commandant de l'armée, avait l'ordre, pas moyen d'en plein. Elle était belle. Pas moyen de faire le siège. Siège lui dit, prenons la soya. Et puis la police fâche, la police mauvaise, mes chefs pays à mauvais, on dit prends tout pour l'endroit. Elle va me dire dans l'église là. Je vais faire un petit quartier avec. Elle est arrivée au siège. Nous en siège. Oui. On va pipi, on va dans les toilettes. Moi je vous dis, vous, on dit, coupez courant. Coupez courant. 3, 4, 5, 7, 8, 10 jours. Coupez le bleu. Il arrive au siège. Tout le monde a pris. Tout le monde a pris. Elle fait le siège. Mais dans l'histoire, c'est que un soldat romain fatigué du ciel, tiré aux flèches enflammées, qui est tombé dans le bas. Il a dit fait quoi? Comme tout soldat romain, il fait quoi? Tout en vaille dans le bas. Ça veut dire que le coup, elle cache dans le très sain. Parce que le battement, c'est gauche et gauche. Voilà. Vous voyez ça? La destruction de Jérusalem et du temps. C'est voilà. Quand bien même, tu as été détruit. Mais au moins, l'on passe le carré. Ça les fondations, les vestiges du temps, de la fondation. Oh, quelques temps après, il faut la révolte Vespasien, empereur de Rome. Mon d'Avernia, il fait tracteur passer sur un emplacement de Rome. Il était tout chouc. Nous, nous passons en Rome avec les temples. Ça a accompli, frère, ça. En plus, on va regarder, on va être sujet par le prêtre. En plus, l'autre a compris. Voilà. En plus, l'autre a compris. Donc, oui. Le fait que ce cyclone, d'une de mars, suivant plus de ravage, chaque chrétien authentique, chaque vrai chrétien, chaque chrétien conscient vous dit ah, que ça vient mieux. Ça vous dit. L'église parle en mieux, c'est ça. Ça veut dire que le
8 matchs de 24 là. Vous entendez parler de guerre, de guerre. Et puis vous entendez parler de guerre, ça va assez bon. Si nous avons tout le cas de guerre, ça va assez bon. Mais actuellement, le pays est en guerre. États-Unis en guerre, vous voyez ça? Il dit, il y aura un petit peu de famine, des familles, des terres. Pourquoi faire comme un grand groupe passer là? À faire des grands groupes passer dans tout le pays. Pour Haïti, on a mangé. Et terre, bouillité, pour manger, pas comme ça. Bouillité, bouillement, vous faites. Et tu oublies la raille pour que ça te pèse encore. Donc, tout mauvais temps, on est cyclone. C'est signe de temps. Pas des mouilles qui arrivent, non. L'autre de Matthieu, c'est qu'on va passer là. Le monde entier est chargé que j'ai aussi tout terrain ensemble où j'ai déjà passé comme un Christ pas nous carré de l'autre, mais ça va le passer. Mais ça va le faire. Même pas de la machine verte. Pas la machine verte. Vous savez bien, tout candidat, pasteur, ceci, cela, tenez bien, tenez bien. Le monde nous dit, nous prêchons l'évangile de toute sa quantité. Nous prêchons l'évangile de tout coup. Nous avons une joie à couper au monde. Vous voulez pour mon père. T'as dit ça, vous m'entendez? Nous avons fait nos vrais ici. Non. Nous avons dit, Haïti, vous êtes bon. Notre nation, on va mettre en rang devant que ceux-là haïtiens, pour un visa, pour être en Haïti. Ça, c'est belle parole. Ils sont dans la main. Ils sont dans la main et tout. Parce que ça l'a dit. Monsieur Gard, tout le monde vient dire bon courage, bagaille, parle bon, du même coup. Il vient dire je suis beaucoup à venir. Et ça l'a dit. Et puis il dit maintenant, l'humanité souffre des douleurs de l'enfantement. Jésus parle, hein? Christ dit, l'humanité souffre les douleurs de l'enfantement. Pour que ça, Jésus dit, l'humanité souffre les douleurs de l'enfantement. Parce que quand on comprend ça, ça veut dire qu'on ne peut pas l'accoucher. Jésus, quand on comprend ça. Là, on ne peut pas l'accoucher, frère et soeur. Sauf cela, il y a une lui qui s'appelle accouchement. Tu vois ça? Pas comprendre. Mais nous, l'enfant, nous, vent, vivre 8 mois et demi, 9 mois, moins 3 semaines, moins 11 semaines. Qui s'est délivré aussi? Ah! Vous voyez comment l'a traduit? Enceinte, embarrassada. Embarrassada. C'est-à-dire que vous êtes embarrassé. Vous voyez ça, vous allez m'amener à l'hôpital pour approcher. Comment vous avez dit? Délivrer, vous avez? Mais vous devez délivrer là. C'est-à-dire que vous êtes enceinte. C'est délivré, c'est à accoucher. Et pour accoucher, il faut casser les os. Femme, pas qu'à accoucher, s'il ne pas casser les os. Seule prière en femme, seule prière en femme qui est enceinte, c'est Seigneur, fais m'accoucher vite. On peut accoucher, pas une douleur. Tout le monde a piré, on peut accoucher plus vite. Son seul prière nous a fait la fête. Pour que Jésus fait douleur plus vite. Ça passe, vous faites passer plus vite pour moi. Et vous passez quand même. Si vous ne pouvez pas casser les os, vous ne pouvez pas accoucher. C'est ça pour toute petite carte authentique qui nous dit. Mais du bon courage. Pas de respect, tu vois. Un conseil, un honnête avec tête, nous comprenons. C'est un bloc, ok. Un honnête avec tête, nous comprenons. Et vous, petit, vous mangez quoi, moi? Quoi, vous? Dis-moi, 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 blanc. Maïmouné, le sauveur. Ce vous direz. Madame Boukous, il y a un bon patate. Vous pouvez pas fatiguer? Non, non, sérieux. Vous pouvez pas fatiguer? Alors, pour me dire de nos nouvelles, que le ciel-là, il a écrit pour que ça, pour ne pas vous y aller. Vous n'avez pas compris, mon cher. Mais non, vous n'avez pas compris la tête, pas. Nous parlons de mission en Haïti. Le chitan, vous pouvez vous faire des boulots de vous connaissez la situation en Haïti. On va couper machine, bien entendu. Car vous avez sous. Côté de la pièce sous. Pour la pièce sous. Marche malaza à pièce sous. Quoi ça? Quoi ça m'en fait? On va passer à la dame. On a vu moi. Madame, elle est ma fille. Mon fille, par un petit moment, mon fille dormir parce que, oh, c'est comme ça. Un petit jour. Et la femme, il a pas tombé là. Elle n'a pas tombé là, je vois. Il dit, oh, mon Haïti, moi, t'es quand même dans ça, là. Quand tu as pied sous moi, pour la pied sous moi, couler la pied sous moi, marcher la pied sous moi, quoi ça me domine.
n'y a rien à l'enfer, bien des comme ça, bien bon, bien douce, mal à l'enfer, donc ça va pas bien. C'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, et ça vous fait. Ah! Dis-moi, tu vois, regarde. Depuis que vous prenez l'avion, il y a où est-ce que tu vas à l'école, ou à prendre son frère. Il va diminuer, non, pour le voir apprendre. Non, plus de moi apprendre. Bon, j'ai dans l'avion tombé pour nous, une affaire. Mais que ne plus de moi apprendre. Alors, vous avez 5 minutes pour me demander. Pour me donner l'affaire, ma chambre est passée. Bon, si on vient à mal d'homme. Nous sommes nés, frères et sœurs. Nous sommes en Christ. Et nous partons de la fin du monde. Il y a une divorce entre la fin du monde et l'enlèvement de l'Église. Partons de la fin du monde. Parce qu'il y a une union qui a fait la fin du monde. L'Église a fait un enlèvement qui a fait de l'un à l'autre. L'enlèvement est imminent. Il a fait à soi. Il a fait à chaque chrétien d'homme. Et que demain matin, il réveille demain matin, et vous dites, enlèvement parfait. Il va dire, oh Seigneur, on va pas prier le soir. On va pas prier le soir, oui. Matin, vous venez là. Et là, vous venez à la fin, 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 vous venez à la fin. Comment ça vous vivez? Et chaque jour, sauvez lundi, sauvez mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et chaque jour, vous dormez tout sauvé, vous sortez tout sauvé, vous êtes tout sauvé. C'est le but d'être adressé pour cette église de la Zimine. Pour ma soeur, lui dit, l'humanité souffre d'être de la défaite. Mais 10 minutes à Haïti parle. Et ça me donne rien tout. Là qu'on a au dit pas bon, là qu'on a dit pas bon. Là ça grave à Haïti en 2010. C'était plus l'occasion de voir l'évangile. Bon, par exemple, on va pas copier un passage de gargote. On comment le passer. C'est plus qu'on chasse le gain, oui. Pour le passer, il rébâti, oui. Pourquoi tu veux qu'on chasse encore comme ça? Alors, prends Haïti, prends-moi. Moi, plutôt qu'il se vit, moi. Plutôt qu'il se vit? Maintenant, qu'il n'y a pas de petit point, qu'il n'y a pas de petit point, qu'il n'y a pas de. Non. Ma fille n'a pas bougé. Il y a un petit lien avec Arisha, l'église de Sav, l'église du sommeil, l'église réformée, 16e au 20e siècle. Il y a soit Philadelphie, l'église de la fidélité, et l'église de la fidélité, l'église évangélique et missionnaire, 19e et 20e siècle. Votre famille, s'il vous plaît. Vous songez, madame, voilà un petit point. En 1976, il va demander pour casser les autres. Commissaire, il dit voilà, par la canne, nous révèle, il vient. Et c'est mon droit de Dieu. Pas des accouchements sans douleur. Avec accouchement sans casser les os. Quand tu as une barre à pied, comme dans l'hôpital, côté de nous, on va casser les os. On va casser les os. On va casser les os. C'est le moment qui, on va coucher, on va péter les os. Pas de accouchement sans casser les os. Mettez-le dans la tête. Ça ne casse les os, lui, là. Ce que la femme dit, tout ça, vous l'avez dit, c'est qu'elle fait me casser les os, vite. Quand une personne a mis un capon, couillé. Ça fait la peine, petit frère, ça fait la peine. Dieu fait la peine, gars. Ok? Alors, regarde chapitre 3, verset 7, 13. Verset 7, 13. Écrit à l'un de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la crainte de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom,
J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne le ceux de la synagogue de Satan, qui se dit juif et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, il faut de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Je crierai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, et la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. 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 Sixième lettre à l'église de Philadelphie. Tu as deux frères. Le roi de Pergame, qui me parlait déjà, et le roi de la ville de Lydie. Ces deux rois étaient en guerre. Et après toute tête chargée de la guerre, il y a une rivalité politique. Nous signons un accord entre tous les deux. Deux frères, ils ont signé un accord entre tous les deux et nous fondons à eux deux nous vécurer Philadelphie, qui se fit à mon frère. Nous l'avons, c'est ça, avec nous l'avons. Nous l'avons. Donc Philadelphie, il est fondé par deux frères, le roi de Pergame et le roi de Lydie. Après la guerre, après le ravage que la guerre fait entre eux deux, après une rivalité politique, nous avons conscience. Nous étions ensemble, nous fondions Philadelphie, et dit à mon frère. C'est vous dire, mes soeurs, que nous déraillons, même si nous ne parlons pas de déraillés. Nous parlons de votre corps. Mais on va voir l'autre. Par contre, nous allons voir sinon. Moi, chaque fois, je vais vous parler. Non, mais d'abord, je vais vous parler. Ok. Nous allons faire ici, mais Jean-Cher Bérounou, la composition, non. Moi, si nous parlons, moi, si nous parlons, moi, si nous parlons, non, non. Voilà. Nous n'avons pas la télévision, nous verrons, nous verrons, ceux-là, nous allons voir bien, nous acteurs, nous footballeurs. À mon frère. Vous voyez que nous vivons la même, vous avez pas sur mon Dieu. On pas sur. Mais peut-être que c'est pour du agricole, mais affligé de tremblement de terre qui détruisit la ville à métropolis. La production agricole, ouais, mais en pile tremblement de terre frappé, détruit là. Très riche, cependant très riche, les habitants avaient reconstruit la ville sans l'aide du gouvernement romain en l'an 17 de notre ère. Ce Rome avait conquis le monde. Ce Rome était maître le monde. Habitants, ils ont rebâti Vilio sans avoir besoin d'aide. Le gouvernement, c'était tellement affaire, c'était bon. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà donc, qu'est-ce qu'il y a sur la évolution. Chaque lettre dépend de la situation de cette église. Jésus identifie d'une manière différente. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de la ville. Celui qui ouvre et personne ne fait voir. Celui qui ferme et personne ne verra.
à qui on vous dit la parole là. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Le Saint, pour qu'on référence 1 Pierre 1,15. Parce qu'il est saint, il est digne de juger la vie spirituelle de son Église. Parce qu'il est saint, il est saint. Termine 1 Pierre 1,15. Allez, 1 Pierre 1,15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. On a raison. Deuxième chose, nous parlons d'affaires avec les saints catholiques. Parce que les saints catholiques, bah, Jésus fait un saint. C'est le pape qui fait le saint. Est-ce qu'on a le moins? Nous sommes des protestants. Nous sommes des chrétiens évangéliques d'abord, puis protestants. Voilà. Mais tous les saints de l'église catholique, et bien Jésus fait le saint. C'est le pape qui fait le saint. Si on m'a mis des mots de blotant, il y aura quelqu'un qui étudie la ville. Mais je vais la ville bien assez. Il est canonisé. Il est saint par canonisation. Il est canonisé, rendu saint, et vous avez imagé une statue de mon Gabriel. Ça veut dire la démagogie. Est-ce qu'on a fait ça? C'est la démagogie. C'est que nous parlons à faire avec ça. La Noël est sous le patronage de Saint-Nicolas, patron des enfants. Les bonnes Noël ou en bas Saint-Nicolas. Nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas accepter pour personne, mettez nos bassins, nous allons quitter l'église catholique, nous quitter. Vous comprenez, soit on fait, ça fait mal parce qu'à côté, moi je fais comme nous faisons beau débat avec nous, Et moi, pour ça, vous verrez là, tout le monde ne pas jamais. Orlando, oui, c'est un déjà pris pour ça. À distance, n'est pas bien vite le mal de l'église. Maléga. Pas de personne au monde. Faut un bassin. Jésus dit, regardez bien, vous connaîtrez la vérité. La vérité. Vous avez dit à vos chiens? Nabil, ça veut dire affranchissement. Et maintenant, une histoire ici, la gamme. C'est qui un affranchi? Un affranchi, c'est un esclave devenu libre par l'affranchissement. Vous pouvez devenir libre par gratitude pour ce qui va. Mais l'argent est payé. Donc, pour qu'un affranchi, il faut être esclave. On a rien. Un affranchi est un ancien esclave. Ça veut dire que l'histoire d'Haïti. Pour qu'un affranchi, il faut être esclave. Si vous dites, vous connaissez la vérité, vous affranchirez, ça veut dire esclave. Dans l'église catholique, nous devons être esclave. Vous apprendre, ça vous admettre. Donc, si vous sortez, nous passez, vous libérez, pas des mots, car vous nous passez encore. Non. C'est la religion, elle n'est pas plus haute. Vous comprenez ça. Mais que dit ici? Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, et bien qu'à parler, mais puisque vous le criez là, le saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Pas que des personnes qui ne sont pas saints. Pas que tellement persévérer, pas tellement tâcher avec Jésus. Qui est frère, qui sait pas son appel Jésus. C'est ça que vous avez des plus saints. Amen. Alors, vous avez des plus bons. Il y a tout gène, il y a tout service, il y a tout mission, chacun dans son lot, il y a tout balé, il y a tout courage, mon idée. Pas le monde de plus, tout le monde dit oui, une semaine. L'autre réponse bête, donc on ne va pas voir, c'est la parole avec le monde. On a dit, oh, petit, tu sors, frère, viens le monde, donne-moi le sein.
Et moi, je me dis, bah, c'est ma fait effort. Qui me dit ça? Oui, c'est même. Où c'est même? Tu ne m'as pas déjà vu? Bah, dis-moi, c'est ma fait effort. Non, c'est. Tu vois, c'est ma raison, non? Alors, comme ça. Tout ce monde dit, bon, c'est même. Bah, c'est. Parce que nous sommes péché, même c'est. Parce que Jésus fait un c'est. J'ai été déclaré, c'est. Ah, vous faites un c'est pas. Bah, il me fait beau. Et Jésus fait un c'est. Oui, c'est bon, ça. Allez, on a fait tout ça. On est dans le mousse de gars. Oh, il voit ça que j'ai sur le mousse de gars là. Ça, vous avez déjà fait là. Le sang de Jésus est un élément purificateur. Il va là pour chasser les démons. C'est un élément purificateur. Se voyez, sans Jésus, tout le monde qui regarde là, vous voyez purifier les démons. Il va là pour faire des démons. Son seul sang, Jésus dit, pour chasser les démons, allant à la grande commission. Ils chasseront les démons. En mon nom. Son seul sang. C'est plus beau, en fait. C'est vrai, moi, c'est Jésus. Non, non. Donc, nous chassons le nom de Jésus. Amen. C'est par son nom qu'on va faire tout le monde. Nous chassons le nom de Jésus. Nous condamnons le nom de Jésus. Nous frappons le nom de Jésus. Allez, vous, c'est Jésus. Vous voyez la nouvelle Dieu. Non. Jésus purifié. C'est la même version. Puisque celui qui vous appelait est saint, soyez saint dans tout, dans tout. Dans toutes les lignées, vous n'allez pas mettre tout. Dans tout là, dans toute votre conduite. Amen, oui. Allez là, nous devons saluer. Je ne tiens pas ça. En plus, Aïssé, nous mettez Wabo à Fugel. Et là, nous sortons. Mais on connaît son peuple qui est très politiste. D'ailleurs, le vaudou vient de l'Afrique. Vient du Dahomey. Vous venez du Dahomey en Afrique. Le vaudou vient du Dahomey, qui est le Bénin actuel. Mais quand plus d'un mété, il y a si joli. Ça c'est mon Dieu lié. Est-ce que vous marchez? Et bien avec mon Dieu sur vous comme chrétien. Bah, vous êtes marché avec moi. Qui mon Dieu sur lui. Nous n'avons pas besoin. C'est ce que nous avons besoin. Il y a ce qu'on appelle les ververs, les signes cabalistiques. Moi je vais le là, lui-même. Les signes cabalistiques, les ververs. Pas faire d'un boulot. Ça veut dire ça. Je ne vois rien. Comment nous vivons la caillou? C'est le mot empêché. L'esprit de Dieu manifeste la caillou. Quoi de Bible aujourd'hui? Amen. En Chine, Japon, Corée, les peuples politiques, les peuples qui besoin de Dieu lié. Le soir, quand on est Dieu qui est au Japon, je ne vais pas raconter le terme, mais en pilouis. Et pourquoi comment nous vivons la caillou? Ils sont Dieu lié. Le péché, l'esprit de Dieu par la mer, parce que mon Dieu n'en est là. Amen. Moi, je Alléluia. Ouais, mon Dieu. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Très bien. Je suis un Dieu jaloux. Mon Dieu est tellement jaloux. Il dit, jaloux, des pauvres, tes paroles. Il dit, mais une photo m'a fait. Pourquoi mon nom là-là? Et bon, ce soir. Soit à la sortie, le matin pour l'entrée, il va faire jalousie. Il dit, mais pas que le fil à payer, c'est le même qui gagne. Bah, il ne s'en fait jamais. C'est un dégré qui gagne. Pourquoi ça fait jalousie là? Moi, je regarde, t'as fait jamais. Quand on a dit, et puis, le diable est venu, un petit mot sur la caille. Qui belle, qui belle, qui est carré à l'effigil. Je prends. Là, là, quand même, chaque fois, il est carré à l'effigil, il est serré. Et puis, il va sur le monsieur. Et vous voyez, on continue de se serrer par là. Et puis, il n'est pas contre ça, il glace. Et puis, il prend le gars à l'effigil. Le gars, il dit, non, et vous formez ça. Et vous formez ça, vous avez rien à dire. Non, c'est vous formez ça. Ça va mourir maintenant. Pas casé. Mon Dieu, tellement jaloux, même des têtes par les jaloux. Il n'a fait aucune représentation de l'éclat de ciel, de l'éclat de terre, de l'éclat de l'eau. Dieu est esprit, il
Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Les catholiques ont prié, ils prient, j'ai ouvert. Les bouddhistes ont prié, mais j'ai fermé. Mais je vais vous dire, ça ne me dit pas là. On va conseiller pour que je vienne la carrière en photo de Jésus. Tout ce que Dieu nous a fait, depuis Haïti, nous qui avons dans la salle, parce qu'il y a des petits, maman, ce Christian Cadeau l'a vu, ce Dieu, ce Mouillet Cadeau. Tout ce qu'on a fait, c'est que ça a voulu faire l'effort de même en France. Et moi, en France, m'a dénoncé ça. Par contre, nous sommes là, ça va faire mon groupe pour chercher pour des gros photos sacrés. Avec ma conférence, ça me tient, je vais le passer. Et mettez un gros tableau, toutes dimensions, on fait plein de mettez des voix, conférence, tête, devant les examens. Mais le côté là, mettez des photos, on dit cet homme n'est pas Jésus. Il m'a dénoncé, il n'est pas Jésus, c'est un imposteur. Il dit cet homme n'est pas Jésus. Donc, il m'a montré par Jésus. D'abord, Jésus n'avait pas de cheveux longs. Même des cheveux longs. Non. Il va appeler garçon. Il va dégager le nez au balia. Les doigts du filet. Les doigts des jeunes filles au balia. Il va bien guérir. Si Jésus, t'es gagné au bagaille, t'es le gars différentiel de monsieur, il va t'appeler pour dire qui n'est qui Jésus. Parce qu'il n'est pas plus belle là, monsieur. Il n'a pas cherché le nom de monsieur. Tu vois ça? Il va mourir. Il a dit il n'avait ni éclat. Ni beauté. Moi, lève le tableau ça, les 12 hommes, pas Jésus bien que tout. La Bible disait menti. La Bible disait menti. On va faire quelqu'un de ça. Non, pas besoin de Jésus. Non, cet homme n'est pas Jésus. Amen. Verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il a écrit, vous serez saints. Et que si déjà, vous serez saints car je suis saint. Oui, vous saint. Pas mon frère, non. Jésus fait saint. Jésus fait moi saint. Donc, l'homme nous pose une question, l'homme pas rien. L'homme qui va promettre, s'il dit, tout à l'heure, soit fait, que lui saint. Il dit, oui, vous saint. Il promet ça, il dit, oui, moi saint. Ma frère est moi saint, mais Christ est saint. Joliet. Mais t'as bien de vous aussi, moi aussi.
femme, garçon, garçon. Ni les voleurs, ni les cupides. Vous savez, comme vous dites, c'est ma dans la vie. Tout ça va dans la vie. Comme dans tous les jours, pas vu au seul joueur que les ajoutés, d'autres bourgons. Soit vu au seul joueur que les ajoutés. Vous ne savez pas vraiment, débauché à bourgons. Efféminé à Bogol, homosexuel à Bogol, volé à Bogol, cupide à Bogol, ivrogne, outrageux, ravisseur. Nous n'avons pas le droit de tuer tout d'abord, tout ça à Bogol. C'est tout pour nous voir? Tout pour nous voir. Et c'est bon. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. D'accord, nous sommes. Parce qu'on dit où vous avez pensé avec vous. Oh, on va faire des ans. Quand vous êtes le saint, vous êtes le saint même. Que le Seigneur, Jésus fait le saint. Mais c'est comme ça du tout. Mon Dieu, je suis le saint. Je ne vais pas mettre le saint. C'est le monde qui est gardé au non. Tu vois, en Jésus, Jésus vous l'opère. Si Christ va vous l'opère, ou pas saint. Mais lui qui vous l'opère, ou saint. Et moi, j'ai gardé dans le web, Christ. Je vais apprendre ça. Quand vous voulez cacher dans Christ. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques uns de vous, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Quel amour, Seigneur Dieu. Vous avez été sanctifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Oui. Ce que Dieu le saint, parce qu'il est saint, parce que le saint, il a jugé avec équité. Le Saint, le véritable. Verset 5. On va voir verset 5. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. L'intelligence, oui. Très bien. Ou pas créer si on pas intelligence. Ou la vraie. Ou pas le chrétien, on pas intelligence. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable avec le majuscule. On a même ça. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, des majuscules encore. En son fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie. Nous sommes dans le Dieu véritable. Nous sommes encore. C'est moi je vois qu'à parler, comment ça dit. Attendez, maintenant, Seigneur. Côté de l'église, ouais. Toutes les églises, ils ont passé outre l'ordre de la grande commission. Nous avons fidèles, n'est pas fait prier. Il dit, allez, faites de tout. De la fontaine, si vous équipez, c'est ça que je vous faisais avant. Allez, faites élève. Allez, faites élève. Nous ne faisons pas élève, nous faisons ici. Et puis, chacun, voilà mon problème, c'est que chacun, on dit, 75% de chrétiens haïtiens viennent vivre en Jésus à partir de notre charge. Il y a un tapin de Jésus, que vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, c'est comme dit là, dans la bouteille, au gilet. Du coup, il dit, le c'est bien. Mais vous ne chita, vous venez là. Venez à moi, vous tous, êtes fatigués, et dans ça, on sorti. Vous venez au chita pour apprendre à servir mon Dieu. Servir Dieu, ça prend. Vous apprenez chita pour servir. Apprendre à servir, bon Dieu, apprendre nos bon Dieu. En plus, nous avons nos bon Dieu. Nous devons peut-être rien parler. Attends, mon frère, il va dire, aïe, 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 mon Dieu. Vous faites un bel salaire, ça, mon gars. Aïe aïe aïe! Ça veut dire aïe aïe aïe. Comment ça l'avait dit, monsieur? Comment ça l'avait dit? Comment ça l'avait dit? Ah, on va rester dans ce chien. Oh lolo! Qu'est-ce que c'était? Non, ça a pris la radio, elle a pris la radio. Elle a son émission, elle a pris la radio. Elle peut dire. La vérité de la bonne pour Jésus. Et Jésus, allons-nous, allons-nous tous.
Ouais, ça, vous parlez à un Dieu. Ah, mal douce, mais fini, papa, non tout. Tu veux Jésus dans une on va faire Jésus dans une tu dis Jésus dans une ah, monsieur, ma balle est dans une Jésus dans une deuil. Pourquoi tu sais ça? Oh, Jésus chéri, tu m'as dit ça. Non. Pas dit ça. Il est Dieu. Il y a des expressions pour ne pas utiliser leur parler. Amen. Il est Dieu. Amen. Monsieur Jésus, enseigne moi à prier. Même Jean-Jacques Baptiste, moi je ne décide pas de nous prier. Moi je nous prier tout. Qui ça qui dit? Son prière modèle. Mais leur prière dit, notre Père qui est aux cieux. T'as notre Dieu. T'as notre Dieu qui a prié ma part. Comment qu'on le soupe? Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que tu aies. C'est là. Donne-nous aujourd'hui notre peine quotidienne. Hein? Pardonne-nous nos péchés. Comme si nous pardonnons à ceux qui ouais. Pas comme une prière douce. On a pu nous faire collège, mon Dieu. Nous demandons de nous briser, mon Dieu. Mais il y a un ton pour la prière. Amen. Nous faisons collège, nous. Nous faisons Seigneur, nous parlons comme ça. Nous faisons comme ça. Seigneur, parle oui. Oh. Vous en priez. Seigneur, parle oui. Vous pouvez jouer avec vous, Seigneur, Jésus, parle. Nous faisons comme ça. Désolé. Parlez, gaga. Pour que Jésus le fasse, tap! Pour ce que Jésus. Papa, la mort! Vous avez l'air! Ça, pas qu'à prier mon Dieu comme ça. D'ailleurs, d'après même Jésus, on va le prier, non? On va le prier comme ça, c'est foyer. Les trois membres de la Trinité doivent participer à la prière. C'est-à-dire, trois membres primitifs veulent participer à la prière. La prière doit être adressée à Dieu, le Père, amen. Au nom de Jésus, et guidé par l'Esprit. Amen. Nous pensons que Dieu est honnête. Vous n'avez pas Jésus. Non. C'est Dieu, le Père, qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Amen. Ce n'est pas Jésus qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Non. C'est Dieu, le Père, amen. Qui a tellement aimé. Le monde, il a donné son fils. La direction de l'ordre d'exécutif. Pourquoi là, vraiment? Moi, tu blagues dans ça? Il blague bien. Il dit que les hommes de la Trinité, les pères et les chefs, ils convoquent les gens. On garde les abonnements. Et puis, le petit monsieur, là, le papa, la fille, c'est le seul, moi. Il dit, monsieur, bon, nous parlons le monde plus mal que les Jésus dans le monde. Nous parlons de ça a trop péché. Nous sommes fait baisser dans le monde. Ça l'a fait pour nous-mêmes. Mais le Père n'a pas qu'à faire ce qu'il y a pour les sans oublier encore. Il va garder, monsieur. Il veut dire, le Père veut dire, garder Jésus. Jésus, moi, je vais garder nous. Moi, je vais garder nous. Ça me va. Moi, je vais garder nous. Allez, vous pouvez m'assurer. Il faut un bout de la main. Il y a un coup qui me soupane de débarrasse. Mon père me dit de garder. Il veut faire ça, lui, il a ses esprits. Il a ses esprits, il va la voir. Il a la garde de son. Il a ses esprits. Oh, regardez. J'ai mon nom vu déjà. Même là, il dit mon gars, c'est quoi? Je ne sais pas si je suis là. 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 Dieu est amour. Pas ça? Dieu est amour. Dieu a tellement aimé qu'il a aimé. Mais nous, notre chrétien, non. Jésus l'a pris, ou pris. On m'a dit, sauf qu'on dit papa maintenant, non. On m'a dit papa maintenant. On m'a dit papa maintenant, non. On peut dire, quand j'ai dit que c'est foyer. Où là, on m'a dit papa maintenant, non. Et puis, guidez pas, laissez. Donc, nous sommes dans le véritable, frère et soeur. Pas de plein de mots, va. Quand tu es tout, mon cher. Regarde, va-t-il se mettre. C'est mon Dieu. Moi, je ne sais pas qu'on est.
tout cas, on dit bon Dieu merci, pas vrai? Bonjour, vous êtes des gens qui vous instruisent. Voici ce que dit le Seigneur véritable, celui qui a la clé de David. Regardez David ici, pourquoi il ne m'a pas avec celui? Là, il y a une expression de la clé de David. Jésus est appelé à régner sur le trône de David. Très bien. Maintenant, il y a la tête. Il n'y a pas de salut hors de l'église. Voilà. C'est seulement l'église qui vient saluer. Et un juif qui convertit, un juif qui sauvait, il n'est pas sauvé en sa qualité de juif. Non. Il n'est pas sauvé parce qu'il est juif. Il est sauvé parce qu'il est converti. C'est un chrétien qui demande l'église. Parce que comme chrétien, il va dans les rues, il y a avec tout, de voir ce qu'il est juif. Juif, il faut que j'aie accepté Jésus comme sauveur personnel. Je viens assez récemment, il va y avoir un nouveau testament. Vous comprenez ça? Il y a tellement pas assez de Jésus, il y a peut-être le Messie jusqu'à présent. Soit j'ai pris certains le Messie. Il y a peut-être le Messie jusqu'à présent. Jésus pour rien venir pour nous. C'est pas Jésus. Mais ça pour rien venir jusqu'à présent pour nous. Nous passons avec le nouveau testament. Parce que vous ne pouvez pas connaître le Messie. Vous l'avez vraiment? C'est l'église qui a mené. Cependant, nous savons pas ce que je n'ai pas. L'église est en main! Ce n'est pas la fin du monde. Et ça, Israël, pas de le faire, il va faire le mien. Il va prêcher l'évangile. Il y aura les deux témoins, il y aura les 54 000, il va prêcher l'évangile, et le monde va convertir. On a vraiment. Il ne va pas prêcher l'évangile, le monde va convertir. Maintenant, la crise tournée, c'est ce qu'on appelle le retour n'est pas vraiment. L'enlèvement, c'est dans un clin d'œil. Le monde m'a prêté au parc, il m'a dit, on va imaginer 10 fois. Avant de dire bâtir, on va dire 10 fois. Il était en fait vite pour m'arriver dans les années. Mais c'est le moment qu'il m'a dit, on va faire un bon salut, il est mort à nous. Et puis là, après 7 ans, il y aura la bataille d'Armageddon. Il va instaurer le royaume, son règne de Mira. Israël parle fleuri. Voilà. Israël bleu, Israël parle belle. Il parle le centre du monde. Qui vous allez? Un bon petit boulot, un bon petit boulot. Cependant, ni moi-même, ni vous-même, ne va pas camarader Israël. Je me pose une question. Faisons mon avis, ça que nous va camarader Israël. Dieu a divisé l'humanité en trois catégories de personnes. Israël, l'Église et les païens. Israël, l'Église et les païens. Autour de Jésus, il y aurait millénium, de millénaire, à bien Israël, les païens et l'Église. Moi, dis-moi ça, l'Église n'est pas camarade, personne dans notre Dieu. Pour ça? Pour ça? Non, il a dit, le Jésus a tourné, il a tourné avec l'Église, avec, comme madame. Où il n'a pas avec Jésus comme une dame, où il a mis les uns d'elle. Donc l'église a souffert. Je vous pose une question. Il n'a pas l'église par camarade, ni Israël, ni les nations. Maintenant. Et pourquoi vous répondez ça? Et pourquoi vous répondez ça? Parce que nous sommes déjà. Oui, déjà. Parce que ça? Nous sommes déjà. Oui, Jésus. Et pourquoi vous répondez ça? Israël, c'est bon, il y a quoi pour vous reprocher? Comment vous répondez ça? Vous. Comment vous répondez ça? Parce que Jésus a l'époux. L'église a l'épouse. N'a madame Jésus. Et tout notre monde, on appelle dans un royaume, tout le monde qui n'a pas les sujets du roi. Les sujets de la réalité. Oh, puisque vous-même, ou c'est madame Jésus, vous nous sujet tout. C'est ça. Ça veut dire, quel que soit le poste qu'on est bien, il va gagner un poste dans la chambre ou à madame. Pas mon équipe. C'est Dieu de mon pied, voilà. Et Jésus à madame. Voilà. Ou à madame moi. Ou à madame Jésus. Ou à camarade. Ou à camarade. Pas camarade des païens, parce qu'il y a chaleur, il y a corporel, il y a physique.
ou pas comme à Israël, parce que la chaleur, comme votre physique, ou même votre spirituel. Amen. Quand vous ne parlez pas, vous l'avez. Non, vous croyez monter déjà, vous croyez glorieux. Vous croyez qui glorieux, qui ressuscité, qui changé, et puis qui monte dans le ciel. Donc, ça ne va pas comparer aux humains qui ont gagné, non. Voilà. Parce que les humains qui ont gagné, vous croyez glorieux. Je vois régner avec Christ, elle doit commander le monde avec Christ. Et c'est ça que le besoin de Dieu, le gouvernement, ça moi-même. On est même fâché, pas mon gilette, pas mon bouteille, pas mon couteau, pas mon balle, pas mon verre, pas quelqu'un qui a une matière qui a fait nous un. Amen. La carte du mine en vrai. Amen. Amen. Non, pas mon gilet, monsieur, monsieur le président, mais quoi, yo, pour la sécurité. Et qui a veillé pour l'État? C'est tout le monde qui a baillé Jésus pour l'État, parce qu'il s'en prend que la connaître. Comment pour l'État? Faut mijoter en blanc. Comment pour l'État? Faut parler en moins. Pour s'en prend que la connaître, qui pour l'État qui a baillé en moins? Non, pour l'État. Nous l'avons fait ça. Pas qu'il y a Jésus pour l'État, non? Pour le contraire. Et bien, il peut la souterre. La femme n'a pas le pied, la chevelure. Monsieur a dit, vous savez qu'il y a un petit femme là. Il y a un petit femme là avec le pays là. Ah non, si monsieur est prophète, il y a un petit cas de femme ça. Il se voit nous dire, monsieur est prophète. Monsieur, Simon, il y a un cas là. Moi, la vérité, la femme ça, la vérité. En vérité, en vérité, sur l'affaire, a toujours parlé, ça se me tourne. Il me dit, monsieur, mon cœur. Il lit les cœurs. Qui vous déjà regarde, il lit les cœurs. On dit voilà maintenant. Donc à terme de la vie, Jésus est appelé à régner sur le trône de David, à Jérusalem. Vous avez la clé de la vie. Qui voulait les richesses, les trésors de la vie. Hein? Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne ne l'ouvre. Frère et soeur, mais Jésus, hein? Comme on est le ciel. Si Jésus ouvre une porte pour vous, on ne va pas faire. Amen. Et si il fait une porte pour vous, personne ne va faire. L'Éternel ouvre une porte par la main rouge. Pour Israël, on va ouvrir. Pour Israël, ils vont entrer en boutique. Si vous prenez un autre frère, tel Bassia, ou un Bassia, tel tout, je parle. Est-ce que vous allez ouvrir où? Chaque monde guide les espaces d'une manière différente. Et chaque monde est contre la parole avec Jésus. Amen. Ça fait chacun soit jugé selon ses yeux. Nous savons ça. Amen. Professeur, ça passera. Jésus. On a besoin. Nos angoisses, nos craintes, nos faiblesses, nos douleurs, nos lamentations, nos humiliations, Jésus. Les vont délivrer à vous. Mais les bonnes délivrées, les livrées, on dit arrêtez! Et sachez que je suis, tu domines. Je connais tes œuvres. Cette expression dont revient, ça a tourné bien encore. Je connais tes œuvres. Prends tout ça, prends l'action. Voici, parce que tu n'as pas de puissance. Donc, juste avec la peine de t'aider, on a prêché le hasard. Ouais. Moi, quelquefois, il me fait un réveil, mais il va au prédicateur. Il va te dire, le prédicateur m'a dit d'aller ça. Parce que tu as appris de puissance. Il dit que l'église fait la vérité faite par la puissance et l'esprit à l'homme. Quand ça, le péché, il dit que l'église n'a pas de puissance. L'église a sans puissance. Dans la vérité, c'est l'esprit. Non. Ça veut dire que l'église n'a pas de populaire. Il va tout voir l'église. Dans une église fameuse, il va dire gros popularité. Vous la ramenez? Il va dire gros autorité, gros chef, gros monde la donne. Parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Voilà. Mon gros église, mon plus loin. Voilà. Mon gros église, mon fidèle à la parole. Tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas connu mon nom. Pourquoi j'ai mon nom? Ou attache à nom. J'ai mis devant toi. Voilà. C'est puissance, c'est pas la gagne. Pas la casse bizarre. J'ai mis devant toi une mode ouverte que personne ne voilà. Peut-être salut, parce que tu as des puissances. Et que tu as gardé mon nom.
nom, tu n'as pas oublié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Vous allez ouvrir vos portes pour nous dans la vie. C'est gardien qu'on doit passer. Oula, vraiment. Mais tu, les mon Dieu, l'ouvrir une porte pour vous, c'est gardien. Nous gardons qui les gens qui ont passé pour aller. Quand tu l'as ouvert, nous ne pouvons pas fermer. Voici, je te donne ceux de Seigneur de Satan, qui se dit juifs ne sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ça force. Pourquoi nous comprenons? Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent, le Dieu c'est juif, le Dieu c'est chrétien, pas chrétien vrai. Mais à Balanti, ma femme vient de descendre dans Pierre pour faire connaître que nous dirions même d'aller les Jésus dans le monde, il n'y a pas perdu tout pour nous dire même. Donc, mais Jésus, l'homme de Jésus, Jésus est mort là où tout le monde dit, réveillons. La première ça même, pour faire venir dans le monde, oui, mais moi. Tu as pas de puissance. Pas fameuse. Pas populaire. Pas extravagante. La fidélité à la parole de Christ. Cette église devait tout au nom de Christ. Tout bagarre dans le nom de Jésus. Sauvé par le nom de Christ. Priez au nom de Christ. Aille à cause du nom de Christ. Et recevez sa force de ce nom. Après, à tout dans nos lits. Je vais reprendre la cour. Romains 12, verset 21, si Dieu est pour nous, un texte doit être lu dans les deux sens, et si Dieu est contre nous. C'est la bonne de tout faire, il faut pour Dieu, pour nous. Si Dieu est pour nous, qu'il soit contre nous. Tu me poussais pour le faire tomber. Tu me massais pour nous. Dieu est pour nous, un refuge, un appui. C'est contre nous, jamais de la vie. Que nous tombons à ton côté. Si nous ne sommes pas à toi, il te suis sur un jour de là. Je suis là. Je ne mourrai pas. Je vivrai. En plus, je suis opposé par la foi chrétienne. Ce procès n'a pas été dit. Le jour viendra où les adversaires de la foi devront reconnaître la vérité. Et autre visite de Christ, les Juifs l'acclamons avec l'Église. Parfait. Nous sommes venus dans Pierre. Nous sommes passés dans la bêtise qu'on est. Nous sommes passés dans la bêtise qu'on est. Les Christ tournent avec nous. Nous allons diriger le monde avec Christ tout dans Pierre. Tout dans Pierre. Que vagabond de Dieu, il faut passer contre misère. S'il sauve, si pas qu'il va mourir, ça va passer. Il faut respecter. On va même Dieu qui n'a pas besoin encore, ou qu'il a un job ciblé. Voilà, je l'ai fait venir à tes pieds et connaître que j'étais aimé. Ça fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enrage, non, dans le même cas avec Christ, dans le palais, si nous souffrons, il n'y a plus rien à même. Moi, je suis avec Christ. Pas besoin de finir, pas besoin de finir à Haïti. Que le monde finit couler. Que le monde finit couler pour qu'il finisse, mon cher. Qui ça vient? Ça nous encore. Que le monde finit couler. Si Jésus a dit, mon pasteur, il m'a dit, pas besoin de ça. Ok. Restaurer Haïti avec une âge 60 000 euros. Ça nous dit. Restaurer Haïti. On m'a dit, papa, tu as dit, bon. Alors, il s'attend de dire, il dit, pasteur, il m'a dit, ouais. Restaurer Haïti, faire une bon avec une âge 60 000 euros. Avec une âge déjà. Parce que tu as gardé ça, ça vient. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Parce que regardez par la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre.
Pourquoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Donc, elle disait Matthieu 24, celui qui persévérera jusqu'à ce qu'il sera sauvé. Le grec dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, tu te garderas aussi à l'heure de la tentation. Le grec a dit, pour l'heure de la tentation, et test autre. Je te garderai hors. Je pense que c'est pas nous, nous. Je te garderai hors de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. L'Église ne passera pas par la grande tribulation. L'Église ne passera pas la grande tribulation. Par la tribulation. Ils sont les alarmistes. Mais nous faisons peur, nous faisons peur. Ok? Une émission radio, nous faisons plus d'études sur radio. Parce que t'attaquais. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de radio. Parce qu'on dit, bon, il y a plus d'émission d'arrivée. Pour bien être où? Je ne dis pas comment ça veut dire bien être. Pour la vie, c'est pour quitter l'émission d'arrivée. Comment ça va passer? N'ayez pas peur des intimidations de quelques camps qu'elles proviennent. Bah, intimidation. Il n'a toujours pas peur. On ne va pas la voir dans la joie. Il n'a toujours pas peur. Il n'aime donc pas peur. Il va dire une petite fois qu'il y a une année de compagnie. On fait bien, on fait. Il n'a pas peur, on fait. Amen. Il n'aime donc pas la joie. Pourquoi on a mis ce qu'il y a? On se dit, on fait. Il n'aime pas peur ça. On ne peut pas peur de la cachette au tigre. Il n'aime pas peur, il n'aime pas peur. Je ne parle pas, il me fait une petite émission. Je ne sais pas ce qui s'est passé. 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 Et pas ce qui s'est passé. La Bible dit, le bon pasteur donne sa vie pour ses loups. Et pas à la gobie, donne sa vie pour son pasteur. Il passe pour défendre. Dire que je fais ça. Parce qu'il me parle de la personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma personne n'a pas volé. Oh, ma volé. Mais jouer. J'ai oublié. Vous allez bien. Ils ont caché dans le téléphone pour jouer. Pas vrai? Ils ont caché dans le téléphone pour jouer. Dit, j'aime le face à face. Pour mon film, il y a une semaine pour mon film. Il y a une face. Maintenant. L'église parle de votre coffre. Il prend deux ans pour là-dessus. Non, quoi l'église? Quoi l'église passe? Non. Fais confiance. Non. T'es le auditeur de mon école. Ok. De confiance. En fait, en ce moment, on est Israël et l'Église. On ne peut pas perdre du temps dans la guerre des versets, en quelle avance, sans piéger. Lorsque la guerre des versets, vous avez dit, on met la Bible pour nous parler en contradiction avec elle. Oh, la Bible ne se contredit pas. Non, elle est contradiction avec elle. Si on va aller au parabon et au parabon, mais la Bible parle à la tête du monde. On est confiance, on est Israël et l'Église. Et vous, ma barre, non. Mais vite tout, la Bible document, vous voyez Israël et l'Église. Vous voyez Israël, c'est Israël, l'Église, c'est Israël et l'Église, c'est comme deux doigts parallèles. En géométrie, deux doigts parallèles, c'est deux doigts qui, prolongés à l'infini, ne se rencontrent jamais. Mais la Bible document, mais avec mon liste de 100 pasteurs américains qui quittent le mouvement. Distribuer avec tout le téléphone. Mais avec des DVD. Parce que la voix qui quitte et qui a dénoncé mon voix. Fidèle pour moi. Les conférences finies, gagnent bien avec eux qui me parlent à la fin. Mais les conférences finies, chaque soir, tu ne peux pas chauffer. Donc, il y a envie de manger à la fin de ce monde. Et puis, il y a envie de manger. Je ne sais pas si je suis un garçon, mais tout le monde fait ça. Il y avait un jeune adventiste qui est pasteur maintenant. Il est arrivé dans le pasteur mur. J'étais à l'école. Il était dans le séminaire adventiste à l'époque. Il y a un monsieur qui me donnait moins. Comme pasteur, merci. Il m'a donné un côté avec monsieur. C'est ça que le pasteur a dit que le pasteur m'a connu, papa. Fais-moi avec moi. Il dit non, pas moi. Mais non, pas moi. Il se très bien avec moi. Très bien, nous. Vous avez fait? Il fait l'exadventiste. Il fait un point là. Un
gens qui sont indépendants. Allez, voilà. Elle t'exposerait parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure, hors de l'heure, hors de cette heure. Je te garderai aussi à l'heure de la grande tentation qui va venir sur le monde entier et éprouver les habitants de la terre. Grande tentation. Il y a une différence entre tentation et la grande tentation. Ça veut dire que la tentation, ce n'est pas de la grande tentation, la tentation nous a enlevé. Très bien. Il n'a jamais été de la volonté de Dieu pour faire mon pas périr avec vagabond. Non. Il est toujours fait différence. Vous voyez, je n'ai pas fait le monde pur avec tout le monde. Un monde qui bon, mon Dieu s'est mis là-bas. Mon nom, ce nom est bon, mon défi. Mais pour le monde pas limité à part. Même je vais pas le frapper vagabond. Il va le gommer, je ne vais pas le carrer sur vous, pas faire la guerre, la boutique. Amen. Mais bon, mais ça, oui. Quoi, mais j'ai peur. Quand on a parlé de Magdala, c'est tiens, tiens, moi qui ne connais pas, ma poussa. Et moi qui ne connais pas, je dis Magdala de Dieu. Moi-même, bon, mille dollars. Chaque billet, ma qui sort en 6, ma qui est viré. Vous vous savez, mon Dieu connaît, ma qui fait compte. Voilà. Mon Dieu connaît, mon Dieu connaît, mon Dieu connaît, faut vivre. Là, Jésus est, bon, la parole grave, et que nous ne pas vivre, la pas vivre. Amen. Et nous vous dit, maintenant, on va manger cher. Dernier, ma m'habitue à passer dans votre ou pasteur ou mon chrétien. Amen. Moi, je vais gaz. Dernier, gaz à passer dans ma chérie ou chrétien. Avec vous, Christian, pas capable, enlevez. Amen. Mais maintenant, vous avez le choix, enlevez. Lève-nous là, je ne sais pas comment vous avez dit. Ça y est, lève-nous, je vais vous frapper, vous êtes pressé. Ça ne fait pas mal, qu'il est bon, et puis, dis-moi, je vais vous faire. Vous êtes bon, ça. Ah, il s'agit de la Cunha. Non, la suite, non. Pas de bon, pas de bon. Oui, les visites, ok. Maintenant, on crée vos poches. Il y a deux églises qui arrivent aux poches. Qu'est-ce que vous avez dit? Comment? Smin et Philadelphie. Deux églises qui sont proches, c'est Smin et Philadelphie. Ça veut dire oui, on chrétien, on l'évite qui arrive sans reproche. La Bible dit, par un bon à ces personnes, non, ou qu'à l'église de gauche. Christ dit, ou qu'à l'église sans reproche. Bon, deux églises qui vivent sans reproche. On l'église qui arrive sans reproche. On finit la vie sans reproche. Oui, vous gardez ça de poche. Regardez ça de poche. Pourquoi on est. On finit. Pourquoi on est. Le Jésus est ressuscité. Et que mon dénonceur. La rien n'a pas le compte, pas vrai. Mais, grand problème, mon Dieu, c'est ce que l'homme qui a vu, il ne veut le sécurité. Une vie de sanctification. Amen. Vous avez compris mon Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi l'humanité de Jésus, pourquoi humanité de Jésus, vous avez fait le monde. Vous avez fait le monde. Alors, d'abord, vous êtes capable de limiter l'omniscience de Dieu, sa préscience. Pas une parce que vous avez un autre point, vous avez le monde. Tellement de science. Vous avez fait. Vous avez fait Jésus. Oh, oh, oh. Parce que bon Dieu, pas comprendre nous. Mais c'est pas comprendre nous. Donc, ça, ça vous fait, faut envoyer au monde, à même avec vous, pour ça vient de croire. On a même fait ça. C'est que Jésus, tu vois, 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 tu la conception de Jésus est miraculeuse. Parce que pour Marie était enceinte, la dégation pour Chabelle était enceinte. Okay. Mais l'accouchement de Jésus était humain.
Passez mes mots là tout le monde. À voix vaginale. Passez là, il fait mal. À voix vaginale. C'est pour qu'après 9 mois, pour tout ça, on t'imagine. Pour qu'après tout ça, on homme. Pour qu'il affiche son vrai homme. Pour la rue. Un vrai homme. Il compte dormir. Il compte fâcher. Il compte colère. Il compte crier. Il compte fatiguer tout. Il compte dormir. Tous sont en vie, puisqu'on a envie de nous. Les bois, il dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, comme les péchés. Frères et sœurs, ne faites pas quelqu'un. Le fait qu'un chrétien est tenté, avez-vous péché, non? Non, on n'entend pas péché, non? Christ est mon tenté de lui. Nous l'avons tenté ou pas péché. Ou péché leur succomber à la tentation. Ou pas de mari, moi en Haïti, nous faisons dormir pour mon garçon, ou pas péché de ça. Et c'est mon mouillé. Ou péché de choisir un garçon. C'est pas péché. On a le moins. Si. Aujourd'hui, on fait Jésus homme. Dans le jugement, il y a des questions que nous avons posé Jésus, nous n'avons pas bien raison. C'est ce que ça dit. Même, encore là, vous voler. On a dit, allez Jésus, pourquoi allez vous voler? Et quoi, on va manger blanc vous dire? Et t'amener, il y a un matin à voler, t'as une âme? Il a dit oui, nous devons nous gagner tout, nous ne pas jamais voler. Et c'est ça, c'est comme vous l'année, hein? Et que tout ça, on bouge, et tu me fais, je ne vais pas tomber moi-même. Pour l'avant, moi je suis mon cher, je me décourage, mon cher, je me réaction parce que ma maman m'a redonné, frère, soeur, tout là, l'équité, tout ça, je me dis, puis moi-même, tout ici va aller, je dis, on connaît, même. Tout ça, je vous prends. Vous prenez forme. Je dis, mon cher, tu es au macaron, tu es en forme. Je dis, quoi? Pourquoi j'ai une forme? Et quoi, on va connaître? Femme, pas j'ai une forme. Ils ont la liste comme ils veulent. Là, j'ai pas j'ai une maillon. Maintenant, l'heure de l'accrissement dans le ciel, la même côté à mon niveau est là. Le Père dit, mon temps de Jésus, on m'a dit mon niveau pour le Saint. Est-ce qu'on m'a dit mon niveau pour le Saint? T'as des questions? On m'a dit mon niveau pour le Saint. Est-ce qu'on m'a dit mon niveau qui est impossible? Je dis non, papa. Moi, nous avons une équipe difficile, mais pas impossible. Jésus, qu'on a là, il dit non, papa. Moi, nous avons une équipe difficile, mais pas impossible. Pourquoi Dieu, il est capable, avec l'aide du Saint-Esprit, il est capable. Il me dit, c'est vrai, bon, mais moi, je vais au Saint, mais, on ne va pas tout nous aller au Saint, mais, Jésus, c'est vrai, c'est vrai, c'est Saint, mais, cette église est considérée comme parfaite aux yeux de Dieu. Pour finir, je viens bientôt vous t'y faire ce que tu as, afin que personne ne te taille. Les heures, pas de courage. Le là est apocalyptique. Le là est eschatologique. Dans les bouts de guerre, famine, les tremblements de terre, séisme, tsunami, le signe annonciateur qui dit que l'église va arriver. Qu'est-ce que nous faisons? Si nous parlons encore ici, dans la salle.